Je profite de cette minuscule lueur de golden hour pour faire cette vidéo, tant que le thème va bien, puisque dans, je pense, une demi-heure, il n'y aura plus de rien du tout. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous annoncer que j'ai une petite surprise pour vous. Pas si petite que ça, c'est quand même une belle surprise. Alors, je dis j'ai, mais c'est plutôt on, puisqu'il s'agit de KN Signature. KN Signature, c'est ben, uniquement moi et Noré, ou plutôt Noré et moi, c'est mieux. Mais du coup, c'est une surprise qu'on fait tous les deux. Donc, ça vient uniquement de nous et personne d'autre. Il n'y a rien autour. Il n'y a aucun partenariat. C'est vraiment notre cœur, voilà, pour notre communauté. Et cette surprise-là, en fait, c'est un lot à gagner. Et pas n'importe quel lot, puisque c'est un lot qui fait partie de mon quotidien, moi, on va dire. Et je vais déjà vous le montrer en photo pour vous faire un petit descriptif juste après. D'ailleurs, vous pouvez voir mes jolis bourrelets là aussi. J'ai rangé mes cheveux, genre avant de me refilmer, je me suis dit non, mais je vais pas les cacher, voilà, ils sont là. Mais du coup, vous avez dû voir ben, qu'il s'agissait d'un très beau lot, un lot du coup qui inclut les plaques que j'utilise moi tous les jours, quand je lisse mes cheveux et même parfois quand je les boucle. Ce sont les plaques GHD, c'est les meilleures, mais vraiment les meilleures. C'est celles que j'utilise tout le temps depuis des années, depuis qu'elles sont sorties. D'ailleurs, ça c'est un nouveau modèle puisque j'avais l'ancien modèle moi aussi de l'ancienne collection. Et dès que celui-là il est sorti, je crois que je vous en avais parlé sur Snap il y a peut-être 2 ans déjà. Bref, donc ce sont celles-là. Vous avez aussi une brosse qui est lissante et qui est chauffante. Donc ça, c'est pour sécher vos cheveux. Ça donne aussi un petit peu de volume. Elle est topissime. Et pareil, c'est GHD. Donc bon, GHD en termes de marque, on sait que c'est là. Du coup, vous avez également mon sérum, mon Glower. Ça, beaucoup d'entre vous le connaissent, d'autres peut-être pas encore. Vous avez un sac Dior Cabas pour cet été. Donc ce sera un sac de plage. C'est un sac qui est assez grand, donc vous pouvez ranger vos affaires, serviettes, produits solaires, petites brosses, même un petit goûter, même une boisson, parce qu'il prend quand même bien de la place. Moi aussi, j'ai un Cabas Dior. C'est des sacs avec lesquels, moi, je mets carrément même les affaires de Kenan aussi dedans. Du coup, vous avez ça aussi dans ce lot. Et je vous disais avant que ça coupe que vous avez un lot surprise en plus dans ce superbe lot, déjà de base. Et pourquoi surprise? C'est parce qu'il s'agit de produits de notre nouvelle collection. Voilà. Bon, là, je me contiens parce que j'ai envie de sauter au plafond. Il faudra patienter encore quelques petites heures, voire quelques petits jours pour vous dévoiler ben, tout ça. Alors, à la base, bon, je devais vous le dévoiler un petit peu avant, juste à mon retour, mais ben, forcément, j'ai décalé. Mais ça y est, c'est le moment. Voilà, c'est le grand moment. Alors, on en reparlera au moment voulu de tout ça parce qu'il y a plein de choses à, il y a plein de choses à partager avec vous, plein de choses à célébrer, plein de choses à fêter. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup de travail derrière tout ça, mais pour l'instant, je n'ai rien encore. Mais il s'agit de, voilà, d'un lot et ce sera une édition summer. Et pour participer à ce concours, ben, c'est très simple. Je vous mets les conditions juste après. She coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah love, yeah, the moolah love. I just wanna make the moolah love. Come on, she made moolah love. Shorty said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah love. Yeah, the moolah love. I just wanna make the moolah love. Got them all screaming moolah love. Yeah, I don't want no love. You know me, I only think about funds. Me, I'm tryna do my own thing on my ones. I'm sorry, darling, I don't want no hugs. Yeah, yeah, yeah. Had a couple galley try to hold me down, but they ain't my queen, they can't take my crown. They tried to claim it, I lost and found, but I only got love for the peas and the pounds. Yeah, yeah, yeah. I love being. Voilà les filles. Très simple pour y participer. Et je ferai régulièrement des cadeaux comme ça, de choses bah, qui au final, enfin, que moi j'utilise tout le temps, puisque là c'est des produits, on va dire des accessoires que nous les filles adorons. Et pas que, hein, mais voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi ça me fait plaisir en tout cas. Et puis si ça vous plaît, on pourra faire de temps en temps des petits lots comme ça, à vous faire gagner. Et je trouve que c'est sympa, et là en l'occurrence pour l'été. Croyez-moi que...
Petite surprise que vous ne connaissez pas encore, ce sera le cabas rempli à la perfection. Voilà, bon, ben bonne chance et puis je vous fais des gros bisous. Il commence à reconnaître son prénom. Kenan, ma vie. On a vu Conjuring et pour les personnes qui aiment ce genre de film comme nous, il est trop bien. Franchement, il y avait pas mal d'avis. En fait, c'est surtout l'histoire du film qui est bien. Donc, voilà, n'hésitez pas à le regarder pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et là, ce soir, on va se regarder un remake. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment un remake, mais c'est la version 2021 de La Colline à des yeux. Et non, qu'est-ce que je vous raconte, La Colline à des yeux? En plus, je vous dis ça d'éther. Rien à voir. De Détour mortel, pardon. Peut-être qu'il va y avoir La Colline à des yeux en remake, ce serait bien. Mais non, c'est Détour mortel. Les films là avec les fous dans la forêt. Oui, désolé, je bug. Je suis désolée. Ouh, je suis loin là. On va reprendre parce que j'ai tout mélangé. On regarde le remake de Détour mortel. Voilà, je ne me mêle pas les pinceaux. Et je vous en dirai des nouvelles parce que ce film-là, enfin ces films, il y en a eu trois, enfin plusieurs en tout cas. Moi, j'ai kiffé. Et là, apparemment, c'est une version plus récente. Donc, j'espère qu'il est bien. Et j'avais aussi quelques films à vous partager, dont un. Ça va me revenir là, mais je me suis dit, il faut absolument que je le repartage. Et j'avais oublié de le faire. Je vous le repartagerai après. Voilà, en tant que cinéphile, faut bien se partager les bons tuyaux. Et si vous aussi, vous avez des recommandations de films, vous connaissez mon style maintenant, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse pour regarder des bons films.